laisse passer là. On lit? Allons-y. Eh bien, Sabine, quel conseil me donneras-tu? Vraiment, il y a bien des nouvelles. Mon oncle veut résolument que ma cousine épouse Vilebrequin. Et les affaires sont tellement avancées que je crois qu'ils eussent été mariés dès aujourd'hui si vous n'étiez aimé. Mais comme ma cousine m'a confié le secret de l'amour qu'elle vous porte, et que nous nous sommes vus à l'extrémité par l'avarice de mon vilain oncle, nous nous sommes avisés d'une bonne invention pour différer le mariage. C'est que ma cousine, dès l'heure que je vous parle, contrefait la malade. Et le bon vieillard qui est assez crédule m'envoie quérir un médecin. Si vous en pouviez envoyer quelqu'un qui fût de vos bons amis et qui fût de notre intelligence, il conseillerait à la malade de prendre l'air à la campagne. Le bonhomme ne manquera pas de faire loger ma cousine à ce pavillon qui est au bout de notre jardin. Et par ce moyen, vous pourriez l'entretenir à l'insu de notre vieillard, l'épouser et le laisser pester tout son saoul avec Vilebrequin. Mais le moyen de trouver si tôt un médecin à ma poste et qui voulut tant hasarder pour mon service? Je te le dis franchement, je n'en connais pas un. Je songe une chose. Si vous faisiez habiller votre valet en médecin, il n'y a rien de si facile à duper que le bonhomme. C'est un lourdeau qui gâtera tout. Mais il faut s'en servir, faute d'autre. Adieu, je le vais chercher. Où diable trouver ce maroufle à présent? Le voici tout à propos. Oh, mon pauvre Sganarelle, que j'ai de joie de te voir. J'ai besoin de toi dans une affaire de conséquence. Mais comme je ne sais pas ce que tu sais faire... Ah, ce que je sais faire, monsieur? Employez-moi seulement en vos affaires de conséquence, en quelque chose d'importance. Bah, par exemple, envoyez-moi voir quelle heure il est à une horloge. Voir combien le beurre vaut au marché. Abreuver un cheval. C'est alors que vous connaîtrez ce que je sais faire. Ce n'est pas cela. C'est qu'il faut que tu contrefasses le médecin. Moi, médecin, monsieur? Je suis prêt à faire tout ce qui vous plaira, mais pour faire le médecin, je suis assez votre serviteur pour n'en rien faire du tout. Et par quel bout m'y prendre, bon Dieu? Ma foi. Monsieur, vous vous moquez de moi. Si tu veux entreprendre cela, va, je te donnerai 10 pistoles. Ah! Pour 10 pistoles? Je ne dis pas que je ne sois pas médecin. Car voyez-vous bien, monsieur, je n'ai pas l'esprit tant subtil pour vous dire la vérité. Mais quand je serai médecin, où irai-je? Chez le bonhomme Gorgibus, voir sa fille qui est malade. Mais tu es un lourdeau qui, au lieu de bien faire, pourrait bien tout... Mais mon Dieu, monsieur, ne soyez point en peine. Je vous réponds que je ferai aussi bien mourir une personne qu'aucun médecin qui soit dans la ville. On dit un proverbe d'ordinaire, « Après la mort, le médecin ». Mais vous verrez que, si je m'en mêle, on dira « Après le médecin, gare la mort ». Mais néanmoins, quand je songe, cela est bien difficile de faire le médecin. Et si je ne fais rien qui vaille... Il n'y a rien de si facile en cette rencontre. Gorgibus est un homme simple, grossier, qui se laissera étourdir de ton discours, pourvu que tu parles d'Hippocrate et de Galien, et que tu sois un peu effronté. C'est-à-dire qu'il lui faudra parler philosophie mathématique. Bah, laissez-moi faire. S'il est un homme facile, comme vous le dites, je vous réponds de tout. Bah, venez seulement me faire avoir un habit de médecin et m'instruire de ce qu'il faut faire. Et me donner mes licences, qui sont les 10 pistoles promises. Allez vitement chercher un médecin, car ma fille est bien malade. Et dépêchez-vous! Mais que diable aussi, pourquoi vouloir donner votre fille à un vieillard? Ah. Croyez-vous que ce soit pas le désir qu'elle a d'avoir un jeune homme qui la travaille? Voyez-vous la connexité qu'il y a? Mais va-t'en vite! Je vois bien que cette maladie-là reculera bien les noces. Ah, mais c'est ce qui me fait bien enrager. Je croyais refaire mon ventre d'une bonne carlure, et m'en voilà sevré. M'en veux chercher un médecin pour moi aussi bien que pour votre fille. Moi, je suis désespérée. Je vous trouve à propos, mon oncle, pour vous apprendre une bonne nouvelle. Hein? Je vous amène
le plus habile médecin du monde. Un homme qui vient des pays étrangers, qui sait les plus beaux secrets et qui sans doute guérira ma cousine. On me l'a indiqué par bonheur et je vous l'amène. Il est si savant que je voudrais de bon cœur être malade afin qu'il me guérit. Où est-il donc ? Le voilà qui me suit. Très humble serviteur à monsieur le médecin. Je vous envoie quérir pour voir ma fille qui est malade. Je mets toute mon espérance en vous. Hippocrate dit, et Galien par vive raison persuade, qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. Ah. Vous avez raison de mettre votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte médecin qui soit dans la faculté végétale, sensitive et minérale. J'en suis fort ravi. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin ordinaire, un médecin du commun. Tous les autres médecins ne sont, à mon égard, que des avortons de médecine. J'ai des talents particuliers. J'ai des secrets. Salam alek, Rodrigue, as-tu du cœur? Signore, si, signore, non. Per omina, seacula, seaculorum. Mais encore, voyons un peu. Hey, ce n'est pas lui qui est malade, c'est sa fille. Ah, mais n'importe. Le sang du père et de la fille ne sont qu'une même chose. Et par l'altération de celui du père, je puis connaître la maladie de la fille. Monsieur Gorgibus, y aurait-il moyen de voir de l'urine de l'aigrotante? Oui, Da. Sabine, vite, allez quérir de l'urine de ma fille. Monsieur le médecin, j'ai grand peur qu'elle ne meure. Mais qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle s'amuse à se laisser mourir sans l'ordonnance du médecin. Voilà de l'urine qui marque grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Elle n'est pas tant mauvaise pourtant. Mais quoi, monsieur? Vous l'avalez? Ne vous étonnez pas de cela. Les médecins d'ordinaire se contentent de la regarder, mais moi qui suis un médecin hors du commun, je l'avale. Parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux la cause et les suites de la maladie. Mais à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Qu'on la fasse encore pisser. J'ai bien eu de la peine à la faire pisser. Que cela? On a bien de quoi. Faites-la pisser copieusement, copieusement. Ah, si tous les malades pissent de la sorte, je veux être médecin toute ma vie. Voilà tout ce qu'on peut avoir, elle ne peut pas pisser davantage. Quoi? Monsieur Gorgibus, votre fille ne pisse que des gouttes. Oui. Voilà une pauvre pisseuse que votre fille. Oui, mais... Je vois bien qu'il faudra que je lui ordonne une potion pissative. N'y aurait-il pas moyen de voir la malade? Elle est levée, si vous voulez, je la ferai venir. Eh bien, mademoiselle, vous êtes malade? Oui, monsieur. Tant pis. C'est une marque que vous ne vous portez pas bien. Sentez-vous de grandes douleurs à la tête, aux reins? Oui, monsieur. C'est fort bien fait. Oui, ce grand médecin, au chapitre qu'il a fait de la nature des animaux, dit... Sans belles choses. Et comme les humeurs qui ont de la connexité ont beaucoup de rapports, car par exemple, comme la mélancolie est ennemie de la joie, et que la bile qui se répand par le corps nous fait devenir jaune, et qu'il n'est rien plus contraire à la santé que la maladie... Nous pouvons dire, avec ce grand homme, que votre fille est fort malade. Il faut que je vous fasse une ordonnance. Vite, une table, du papier, de l'encre. Y a-t-il quelqu'un qui sache écrire? Est-ce que vous ne le savez point?
je ne m'en souvenais pas. J'ai tant d'affaires dans la tête que j'oublie la moitié. Bon, je crois qu'il serait nécessaire que votre fille prie un peu l'air. Qu'elle se divertit à la campagne. Nous avons un fort beau jardin et quelques chambres qui répondent. Si vous le trouvez à propos, je l'y ferai loger. Allons, allons visiter les lieux. J'ai ouï dire que la fille de M. Gorgibus était malade. Il faut que je m'informe de sa santé et que je lui offre mes services comme ami de toute sa famille. Hola, hola, M. Gorgibus, y est-il ? Monsieur, votre très humble, très honoré, très fidèle, très honoré. Oui, ayant appris la maladie de mademoiselle, votre fille, je vous suis venu témoigner la part que j'y prends, n'est-ce pas ? Et vous offre de tout ce qui dépend de moi. Alors, j'étais là-dedans avec le plus savant homme. Oh. N'y aurait-il pas moyen de l'entretenir un moment? Monsieur, voilà un fort habile homme de mes amis qui souhaiterait de vous parler et vous entretenir. Je n'ai pas le loisir, monsieur Gorgibus, il faut aller à mes malades. Je ne prendrai pas la droite avec vous, monsieur. Oh, monsieur, après ce que m'a dit monsieur Gorgibus de votre mérite et de votre savoir, j'ai eu la plus grande passion du monde d'avoir l'honneur de faire votre connaissance et j'ai pris la liberté de vous saluer à ce dessein. Je crois que vous ne le trouverez pas mauvais. Il faut avouer que tous ceux qui excellent en quelque science sont dignes de grandes louanges et particulièrement ceux qui font profession de la médecine. N'est-ce pas ? Tant à cause de son utilité et que parce qu'elle contient en elle plusieurs autres sciences, ce qui rend sa connaissance fort difficile. Et c'est fort à propos qu'Hippocrate dit dans son le premier aphorisme « Vita brevis, ars vero longa, occasio tempo recept, experimentum periculosum, judicium fort difficilium. Ficile tantina potabaril cambustibus. » Vous n'êtes pas de médecin et qui ne vous appliquez qu'à la médecine qu'on appelle rationnelle ou dogmatique. Je crois que vous l'exercez tous les jours avec beaucoup de succès. Experientia magistrarum. Les premiers hommes qui firent profession de la médecine furent tellement estimés d'avoir cette belle science qu'on les mit au nombre des dieux pour leur belle cure qu'elles faisaient tous les jours. Non, ce n'est pas qu'on doive mépriser un médecin qui n'aurait pas rendu la santé à son malade, non, parce qu'elle ne dépend pas absolument de ses remèdes, ni de son savoir. Interdum docta plus valet arte malum. Monsieur, j'ai peur de vous être importun. Je prends congé de vous dans l'espérance que j'ai qu'à la première vue j'aurai l'honneur de converser avec vous avec plus de loisir. Non. Vos heures sont précieuses. J'ai bien l'honneur, monsieur. Bonsoir. Que vous semble de cet homme-là? Il sait quelques petites choses. S'il fût demeuré tant soit peu davantage, je l'allais mettre sur une matière sublime et relevée. Cependant, je prends congé de vous. Et que voulez-vous faire? Je sais bien ce que je vous dois. Vous vous moquez, monsieur Gorgibus? Je n'en prendrai pas. Je ne suis pas un homme mercenaire. Votre très humble serviteur. Je ne sais ce qu'aura fait Sganarelle. Je n'ai point eu de ses nouvelles et je suis fort en peine où je le pourrais rencontrer. Le voici. Eh bien, Sganarelle, qu'as-tu fait depuis que je ne t'ai point vu? Merveille sur merveille. J'ai si bien fait que Gorgibus me prend pour un habile médecin. Je me suis introduit chez lui et lui ai conseillé de faire prendre l'air à sa fille, laquelle est à présent dans un appartement qui est au bout de leur jardin, tellement qu'elle est fort éloignée du vieillard et que vous pouvez l'aller voir commodément. Oh, que tu me donnes de joie. Sans perdre de temps, je l'avais trouvé de ce pas. Il faut avouer que ce bonhomme Gorgibus est un vrai lourdeau de se laisser tromper de la sorte.
Ma foi, tout est perdu. C'est à ce coup que voilà la médecine renversée. Mais il faut que je le trompe. Bonjour, monsieur. Monsieur, votre serviteur. Vous voyez un pauvre garçon au désespoir. Ne connaissez-vous pas un médecin qui est arrivé depuis peu en cette ville, qui fait des cures admirables? Oui, je le connais. Il vient de sortir de chez moi. Je suis son frère, monsieur. Nous sommes gémeaux. Et comme nous nous ressemblons fort, on nous prend quelquefois l'un pour l'autre. Ah oui. Je me dédonne au diable si je n'y étais trompé. Et comment vous nommez-vous? Narcisse, monsieur, pour vous rendre service. Il faut que vous sachiez qu'étant dans son cabinet, j'ai répandu deux fioles d'essence qui étaient sur le bord de sa table. Aussitôt, il s'est mis dans une colère si étrange contre moi qu'il m'a mis hors du logis. Et ne veut plus jamais me voir. Tellement que je suis un pauvre garçon à présent, sans appui, sans support, sans aucune connaissance. Allez, je ferai votre paix. Je suis de ses amis et je vous promets de vous remettre avec lui. Je lui parlerai d'abord que je le verrai. Je vous serai bien obligé, monsieur Corjetus. Il faut avouer que quand les malades ne veulent pas suivre l'avis des médecins, qu'ils s'abandonnent à la débauche, enfin que moi je... Monsieur le médecin, votre très humble serviteur, je vous demande une grâce. Qu'y a-t-il, monsieur? Est-il question de vous rendre service? Monsieur, je viens de rencontrer monsieur, votre frère, qui est tout à fait fâché. C'est un coquin, monsieur Gorgébus. Non, je vous réponds qu'il est tellement contrit de vous avoir mis en colère qu'il a... C'est un ivrogne, monsieur Gorgébus. Monsieur, vous voulez désespérer ce pauvre garçon? Qu'on ne m'en parle plus. Et voyez l'impudence de ce coquin-là, de vous aller trouver pour faire son accord. Je vous prie de ne m'en pas parler. Au nom de Dieu, monsieur le médecin, et faites cela pour l'amour de moi. Si je suis capable de vous obliger en autre chose, je le ferai de bon cœur. Je m'y suis engagé. Vous m'en priez avec tant d'insistance que, quoique j'eusse fait serment de ne lui pardonner jamais... Bon, allez, touchez-la. Je lui pardonne. Je vous assure que je me fais grande violence et qu'il faut que j'aie bien de la complaisance pour vous. Adieu, monsieur Gorbidigi. Monsieur, votre très humble serviteur, je m'en vais chercher ce pauvre garçon pour lui apprendre cette bonne nouvelle. Il faut que j'avoue que je n'eusse jamais cru que Sganarelle se fût si bien acquitté de son devoir. Mon pauvre Sganarelle, que je t'ai d'obligation, que j'ai de joie et que... Ma foi, vous parlez fort à votre aise. Gorgibus m'a rencontré. Et sans une invention que j'ai trouvée, toute la mèche était découverte. Mais fuyez-vous-en, le voici. Je vous cherchais partout pour vous dire que j'ai parlé à votre frère. Il m'a assuré qu'il vous pardonnait. Mais pour en être plus assuré, je veux qu'il vous embrasse en ma présence. Entrez dans mon logis et je l'irai chercher. Ah, monsieur Gorgibus, je ne crois pas que vous le trouviez à présent. Et puis, je ne resterai pas chez vous, je crains trop sa colère. Vous demeurez, car je vous enfermerai. Je m'en vais à présent chercher votre frère. Ne craignez rien. Je vous réponds qu'il n'est plus fâché. Ma foi, me voilà attrapé à ce coup-là. Il n'y a plus moyen de m'en échapper. Le nuage est fort épais, et j'ai bien peur que, s'il vient à crever, il ne grêle sur mon dos force coup de bâton, ou que, par quelque ordonnance plus forte que toutes celles des médecins, on m'applique tout au moins un cautère royal sur les épaules. Mes affaires vont mal. Mais pourquoi se désespérer? Puisque j'ai tant fait, poussons la fourbe jusqu'au bout. Oui, il en faut encore sortir et faire voir que Sganarelle
est le roi des fourbes. Oh ! Ma foi, voilà qui est drôle. Comment diable on saute ici par les fenêtres ? Faut que je demeure ici, que je vois à quoi tout cela aboutira. Je ne saurais trouver ce médecin. Je ne sais où diable il s'est caché. Ah ! Mais le voilà. Monsieur, ce n'est pas assez d'avoir pardonné à votre frère. Je vous prie, pour ma satisfaction, de l'embrasser. Il est chez moi et je vous cherchais partout pour vous prier de faire cet accord en ma présence. Vous vous moquez, monsieur Gorgibus. N'est-ce pas assez que je lui pardonne ? Je ne veux le jamais voir. Mais, monsieur, pour l'amour de moi... Bon, je ne saurais rien à refuser. Dites-lui qu'il descende. Voilà votre frère qui vous attend, là-bas. Il m'a promis qu'il fera tout ce que je voudrais. Monsieur Gorgibus, je vous prie de le faire venir ici. Je vous conjure que ce soit en particulier que je lui demande pardon. Parce que sans doute il me ferait sans honte et sans opprobre devant tout le monde. Oui, Da, je m'en vais lui dire. Monsieur, il dit qu'il est honteux et qu'il vous prie d'entrer afin qu'il vous demande pardon en particulier. Voilà la clé, vous pouvez entrer. Je vous supplie de ne pas me refuser et de me donner ce contentement. Il n'y a rien que je ne fasse pour votre satisfaction. Vous allez entendre de quelle manière je vais le traiter. Ah, te voilà, coquin ! Monsieur mon frère, je vous demande pardon. Je vous promets qu'il n'y a point de ma faute. Il n'y a point de ta faute, pilier de débauche, coquin ! Va, je t'apprendrai à vivre. Avoir la hardiesse d'importuner monsieur Gorgibus. De lui rompre la tête de tes sottises. Monsieur mon frère... Tais-toi, te dis-je. Je ne vous désoblige... Tais-toi, coquin. Que pensez-vous qu'il soit chez vous à présent? C'est le médecin, et Narcisse, son frère. Ils avaient quelques différends, et... ils font leur accord. Mais le diable emporte, ils sont qu'un... Ivrogne que tu es, je t'apprendrai à vivre. Comme il baisse la vue, il voit bien qu'il a failli le pandard, l'hypocrite, comme il fait le bon apôtre. Monsieur, dites-lui un peu par plaisir, hein, qu'il fasse mettre son frère à la fenêtre. Oui, Da. Monsieur le médecin, je vous prie de faire paraître votre frère à la fenêtre. Il est indigne de la vue des gens d'honneur. Et puis, je ne saurais le souffrir auprès de moi. Monsieur, ne me refusez pas cette grâce, après toutes celles que vous m'avez faites. C'est une chose que je refuserais à tout autre qu'à vous, mais pour vous montrer que je veux tout faire pour l'amour de vous, je m'y résous. Quoiqu'avec peine et veuse auparavant, qu'il vous demande pardon de toutes les peines qu'il vous a données. Oui, monsieur Gorgibus, je vous demande pardon de vous avoir tant importuné. Et vous promets, mon frère, en présence de monsieur Gorgibus, que voilà, de faire si bien désormais, que vous n'auriez plus lieu de vous plaindre, vous priant de ne plus songer à ce qui s'est passé. Eh bien, les voilà pas tous deux? Oh, par ma foi, il est sorcier! Monsieur, voilà la clé de votre maison que je vous rends. Je n'ai pas voulu que ce coquin soit descendu avec moi parce qu'il me fait honte. Je ne voudrais pas qu'on le vît en ma compagnie, dans la ville où je suis en quelque réputation. Vous irez le faire sortir quand bon vous semblera. Je vous donne le bonjour et suis votre très humble serviteur. Il faut que j'aille délivrer ce pauvre garçon. En vérité, si lui a pardonné, ce n'a pas été sans le bien maltraiter. Monsieur, je vous remercie de la peine que vous avez prise et de la bonté que vous avez eue. Je vous en serai obligé toute ma vie. Où pensez-vous que soit à présent le médecin? Il s'en est allé. Et je le tiens sous mon bras. Voilà le coquin qui faisait le médecin et qui vous trompe. Cependant qu'il vous trompe, il joue la farce chez vous. Valère et votre fille sont ensemble, qui s'en vont pour tous les diables. Je suis malheureux. Mais tu seras pendu, fourbe.
Coquin! Mais monsieur, qu'allez-vous faire de me pendre? Écoutez, un mot, s'il vous plaît. Il est vrai que c'est par mon invention que mon maître est avec votre fille. Mais en le servant, je ne vous ai point désobligé. C'est un parti sortable pour elle, tant pour la naissance que pour les biens. Croyez-moi, ne faites point un vacarme qui tournerait à votre confusion. Et envoyez à tous les diables ce coquin-là avec Vilebrequin. Voici nos amants. Nous nous jetons à vos pieds. Je vous pardonne. Je suis heureusement trompé par Sganarelle. Ayant un si brave gendre. Allons tous à la noce et boire à la santé de toute la compagnie. Merci. Merci. Voilà, un peu de vin blanc là. Bon, allez. Alors évidemment. Non, mais c'est court hein, quand même. C'est quand même court, c'est vrai. Ouais. Mais oui, c'est non, mais c'est un canevas en fait. Mais oui, là, puis elles sont jouées en diptyque en fait. Ouais. Attendez, hop, alors pardon, on va. Attends, même... tu peux me passer ma pièce de Molière. On va quand même tranquer et trinquer à la pisseuse. Oui, à la pisseuse. Vous me direz si elle est bien chaude, comme il dit. Ah, elle est goûteuse. Elle est bonne. Non, mais c'est vrai que c'est des esquisses en fait dans les pieds volants. Oui, on sent l'esquisse que va être le malade imaginaire. C'est tiré de la Commedia dell'arte. Ouais, d'ailleurs. En fait, c'était ça. Je pense qu'il a vraiment en fait calqué. Il a pris un scénar de la Commedia dell'arte. Non, mais il y en avait énormément depuis le début du XVIIe. De toute façon, c'était le même thème, la fille malade qui trompe le père pour un mariage. Quoi. Ouais. Donc, il a adapté une Commedia dell'arte qui se jouait déjà à Paris. Il s'appelait Le médecin volant. Ouais. Et d'ailleurs pourquoi volant? Parce que moi j'avais cru que c'était parce qu'en fait on jouait deux rôles. Oui, mais c'est en fait, j'ai regardé, c'était parce qu'il y avait un système assez rudimentaire d'une poutre du théâtre avec un arceau et il passait de la fenêtre par terre et il revenait comme un ressort. Genre, ah oui, vraiment, et c'est pour ça qu'on vient. En fait. C'était Scaramouche. Ouais, c'était... Là, on ne le joue pas, mais à chaque fois, il est censé redescendre Sganarelle. Oui, mais dans... C'est vrai qu'en lisant, il y a un truc un peu magique en fait dans le changement qu'il a. Il saute par la fenêtre, il repasse. Mais là, c'était pas Molière, il le faisait pas. Enfin, c'est Scaramouche qui le faisait. Ah, c'est pas lui, c'est pas Molière qui jouait ça. Non, il jouait Sganarelle, mais il l'a adapté en faisant un peu comme dans Georges Dandin, la fenêtre, la porte, la fenêtre, la porte. Mais Scaramouche, c'était un vrai acteur? C'est un acteur d'art. Je pensais que c'était un personnage de... Un personnage, oui, puis c'était un acteur magnifique, il paraît. Et Sganarelle, ça veut dire... Ça veut dire... C'est celui qui se trompe lui-même. Voilà, c'est ça. Ah, d'ailleurs, tiens, tu sais ce que ça veut dire, Vilebrequin? Pourquoi il a appelé, en fait, le prétendant, enfin, celui qui doit se marier avec Lucille? C'est quoi pour toi, un Vilebrequin? Ouais, c'est quoi? C'est une marque de maillot. Non, en fait, tu sais, c'est... comment t'expliquer? C'est une perceuse manuelle qui fait des trous. Oui, une donc voilà, Vilebrequin. Tu comprends? Oui, c'est un non. Peu. Ok, bon. C'est pas qu'il a vu le sous-entendu. Ah, ben bien sûr, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et tous les Ladji, d'ailleurs, étaient à la limite. Il fait plein de références. Il fait la référence au Cid. Quand il dit Rodrigue. Oui, c'était le tube de l'époque. Oui, c'était le tube de l'époque. Je trouve ce qui est beau, c'est que Sganarelle, celui qui se trompe, en fait, c'est le héros de l'histoire. Et puis aussi d'un côté, Valère, c'est un prétexte pour la virtuosité d'un acteur. Ouais. Oui, bien sûr. Ça. Et moi, c'est ce qui me plaisait le plus dans cette pièce, c'était que celui dont on dit qu'il est débile faire preuve d'un feu d'artifice, d'intelligence, et qui va se surpasser parce qu'à un moment donné, on lui donne la confiance et que du coup... Il va voler. Ouais, c'est un très beau personnage. En fait, quand je me souvenais plus du tout de la pièce. Hein, en fait, je l'avais vu jouer, mais il y a très longtemps, quand ça avait été mis en scène par Dario Fo. Tu l'avais vu? Ouais, mais en fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. C'était en 1980, je crois. Bah, ça devait être chouette. Non, j'ai pas vu alors. Ah,
Tu confonds. Non, c'est un peu plus tard. Et non, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, en relisant la pièce, ça me rappelait, en fait, j'ai créé plus tard le malade imaginaire qu'avait monté Claude Strasse. Et puis, il y avait donc Catherine Yégel qui avait créé le rôle, qui jouait Toinette. Et elle avait trouvé ce truc génial de boire en fait l'urine du malade. Et je me disais mais c'est génial, comment elle a pu penser à ça, etc. Et en fait, elle avait joué les deux pièces de Dario Fo. Et en fait, j'ai compris qu'elle avait trouvé, d'ailleurs, ce qui est aussi génial d'ailleurs de reprendre ça, mais elle avait trouvé en fait l'inspiration là-dedans, dans cette pièce-là. Ah oui, mais là, parce que c'est pas du tout écrit dans le malade. C'était un clin d'œil au public parce que la servante, évidemment, faisait un gros clin d'œil au public en disant les comédiens ne boivent pas de l'urine, c'était du vin. Ah oui, c'est pour ça que c'est vraiment ça. C'était un des lazzi de l'époque. Moi, ça me fait assez rire, le rhin, quand même. C'est toujours la comédia dell'art. Moi aussi, je trouve ça très drôle qu'ils boivent vraiment du pipi. Ouais. C'est pas de la dentelle de Bruges, quand même. Hein. Mais d'ailleurs, en fait, c'est marrant parce que en fait, je me demande pourquoi t'as choisi en fait, de prendre une femme, par exemple, pour jouer ce Sganarelle. Bah déjà, j'ai choisi deux femmes pour jouer trois hommes. Absolument. Parce que sinon, si on donne les bons sexes aux bons rôles, on n'est pas forcément toujours très gâtés. Ouais. Et puis, je trouve que ça apporte quelque chose. J'aurais du mal à poser des mots dessus, mais je trouve qu'une actrice amène forcément quelque chose de différent. J'aurais du mal à dire quoi, mais quelque chose qui m'intéresse. De l'ordre d'une grâce féminine, désolée, mais après... Désolée, et non, mais c'est formidable avec des hommes aussi. Et puis, c'est vrai que, voilà, moi, j'aime bien travailler avec les actrices aussi. Et puis, je trouve qu'on n'est pas assez servi dans le répertoire aussi, tout simplement. C'est une demande officielle. Moi, je pense que les metteurs en scène devraient... Je pense qu'on est très sage avec. Pour moi, au théâtre, on n'a pas d'âge, on n'a pas de sexe, on n'a pas. On peut avoir, Château a joué Hamlet, il n'en avait plus l'âge du tout, il était extraordinaire dans le rôle, ou Anne Alvaro. Pour moi, c'est vraiment un truc important, ça, et je trouve qu'au cinéma, c'est très... Et que le théâtre permet ça, et je trouve ça beau. C'est vrai que dans les personnages de Molière, en fait, on se rend compte que souvent les femmes servent le propos du héros. Ouais. Masculins, elles viennent alimenter des scènes qui vont servir l'évolution des personnages masculins. C'est vrai que ça se ressent. Et évidemment, d'aborder un personnage masculin quand on est une femme, on se dit « Ah bah oui, il y a plus de latitude, c'est-à-dire il y a une continuité, ce qui n'est pas toujours le cas quand on incarne les figures très marquées, pas clichées, mais quand même relativement. » Mais c'est vrai qu'elles n'ont jamais le dernier mot. C'est un personnage magnifique, angélique, mais elle n'a pas le dernier mot. Le fait que tu lises, en fait, Sganarelle, c'est marrant, moi, ça m'a rappelé beaucoup Toinette, en fait. Tu vois, cette espèce de femme, en fait, qui prend, tu vois, le... Mais ça, le médecin Bollard, c'est par la ruse et par l'intelligence. Tu sens que c'est comme s'il avait fait son premier jet pour après écrire le malade imaginaire, comme avec la jalousie barbouillée, qui est aussi une des petites pièces qu'on montre souvent d'ailleurs en parallèle avec celle-ci, qui étaient les prémices du Dandin. Ça a été édité d'ailleurs après sa mort, toutes les dizaines de pièces. Parce qu'en fait, je crois que c'est. Il l'a pas mis dans ses œuvres. Ces pièces, en fait, là, qui étaient. D'ailleurs, c'est des pièces de jeunesse. Je crois qu'il n'avait pas, eu le temps plus tard, en fait, quand il a commencé à faire éditer ses œuvres, de les, revoir. Oui, mais il ne les avait pas fait éditer parce que c'était des choses farces. Des farces. Et puis surtout, il n'avait pas eu le temps de les réécrire. Après, il s'était penché beaucoup plus sur l'écriture des grandes pièces qu'il y a eu après. Je crois qu'il y a eu le succès des Précieuses Ridicules que tu joues. Et en fait, qu'il a vraiment été un tel tabac qu'il s'est empressé, pour ne pas qu'on lui pique, de faire publier. Et c'est après, en fait, qu'il a publié ses grandes œuvres parce qu'il voulait vraiment s'intéresser en fait, à changer les gens, et puis surtout, ils voulaient faire de la littérature aussi. Donc du coup, c'est des œuvres comme ça, en fait, qui ont été publiées plus tard ou pas publiées, très peu. D'accord. Ouais. Tu es un peu trop renseignée. Est-ce que tu es amie avec Molière? Mais bien sûr. Tu sais, moi, ça fait quand même... Attends, tu viens d'arriver, mais tu as quelques années pour t'imprimer. C'était Jouvet qui disait « Allô, allô, Poquelin 0001 ne répond plus. » Tu vois? Ouais. Mais elle est chouette, cette pièce, en même temps. Je trouve qu'elle est assez fou. Il pose les enjeux en trois lignes.
Oui. Et après, c'est que du plaisir de jeu, quoi. Oui, c'est que une jubilation d'acteur. C'est l'occasion pour la virtuosité d'un acteur, c'est formidable. Pourquoi t'as choisi le noir et blanc? Je trouve que déjà, je trouve que ça évoquait un peu des choses assez impressionnistes, assez dessinées, même même dans ce que tu fais dans Sganarelle, ou tu vois, ça évoque Chaplin, ça m'évoque le cinéma muet. Max Linder. Ouais. Et puis voilà. En fait, j'ai d'abord eu l'idée de ces costumes en noir et blanc, et après on a eu l'idée du noir et blanc. Mmh. Et après, on est en couleur là, ça va? Ouais. On est en couleur. Je sais pas si on est retourné en couleur. Ah, on est en couleur. Alors. Mais en tout cas, on sent que c'est des pièces qui doivent se jouer avec du rythme. Ouais. Ouais. Oui. Mais c'est oui, fou. En même temps, c'est hyper précis, c'est hyper dur. C'est une action, une phrase. C'est moi, je me dis, en même temps, c'est des pièces de Lazzi. En fait, tu sens bien qu'il y a la latitude pour pouvoir improviser, faire des trucs, faire plein de choses. Galimatien, c'est toujours... Mais on ne sait plus trop faire ça, en même temps. Non, c'est vrai. On ne se permet plus trop ça, en tout cas. Ouais. C'est des pièces d'acteur. C'est vrai que Dario Fo, du coup, lui, c'était un spécialiste un peu de ça, en fait. Il avait un peu la tradition italienne encore. Ah oui, forcément. Alors, François, si tu as aimé cette pièce, jouer ce rôle c'est hyper intéressant. Oui, avec vous... Non, mais c'est intéressant, c'est pour ça que je me dis, c'est beau de pouvoir aborder une partition masculine chez Molière. J'avais encore eu jamais l'occasion de jouer un personnage masculin chez Molière. Et je me dis, oui, c'est assez jubilatoire. Évidemment, ici, c'est l'exercice de la lecture, donc il y a ses limites. Mais je me dis que c'est aussi un personnage que je sens très physique. Évidemment, là, Arlequin. Oui, et qu'il y a quelque chose chez Sganarelle qui est dans son corps, dans cette manière de passer d'un personnage à l'autre. Et en même temps, c'est vrai que c'est pas une grande pièce. Et en même temps, on trouve pourtant déjà l'écriture de Molière, son écriture, son style, mais en plus petit. Et voilà, je pense que le malade est plus intéressante. Mais. Moi, je trouve que c'est mieux écrit. Les pièces qui viennent après sont plus intéressantes. Bon. Une pièce d'acteur. Quoi. Ouais. Sans que c'est le plaisir de l'acteur. De jouer, ouais. Complètement, Et le public